Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une histoire bien particulière, puisqu'une bonne Samaritaine a marqué la nuit de dimanche à lundi dans un autocar d'autobus Maheu. Elle a porté assistance à la conductrice alors qu'une condition médicale l'a obligée à partir en ambulance. Sophie mediaville river nous raconte. Jennifer Marlène a fait toute la différence lors du trajet montréal rouen d'un autocar d'autobus Maheu dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que la conductrice a eu un malaise à Saint-Jérôme, elle l'a aidée jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, a maintenu la communication avec le service de répartition et a rassuré les passagers à bord du véhicule. Est arrivée comme en rampant dans les escaliers. Puis elle est arrivée en haut, puis elle avait de la misère à respirer. Puis elle a fait comme « Ok, il y a une situation, là, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne suis plus capable. » Tu sais, comme elle avait de la misère à respirer, puis elle avait un gros point euh, sur le côté droit. Elle a dit « Écoutez, j'ai besoin d'avoir une personne de confiance. » Et puis là, elle a dit mon nom, Jennifer, parce que je pense qu'on a eu une petite connexion avant. Alors voilà, elle me passait le flambeau. C'était pas pour conduire l'autobus parce qu'on s'entend que j'ai pas de permis de conduire. Une autre conductrice basée à Montréal a été appelée en urgence pour prendre la relève. En moins de deux heures, elle était derrière le volant et l'autobus est reparti. La passagère, qui fait régulièrement le trajet, l'a assistée durant les sept heures de route restante. Tout est resté dans le calme, dans, puis dans un peu la... Je te dirais, il y avait comme une camaraderie. Alors, les gens dehors, on a ri, là, on a commencé. Moi, j'ai commencé à dire, bon, mais ben, là, si arrive pas, c'est quel le premier qu'on commence à manger? Parce que je suis un petit peu, je dédramatise les choses. Quand on a euh, des personnes qui s'investissent, qui donnent un petit peu d'eux, ça fait toute la différence dans des situations qui auraient pu être beaucoup plus anxieuses, beaucoup plus difficiles, à, euh, beaucoup plus pénibles. Euh, là, euh, madame Marlene a rendu l'attente. Euh, Presque, il y avait presque une franche camaraderie entre les passagers, puis, puis tout le monde était très compréhensif et puis tout le monde était très patient. Donc ça s'est vraiment euh, très, très bien passé grâce, entre autres, à la part de Mme Marlon. Yannick Goupil mentionne que ce genre d'incident se produit très rarement, mais que les équipes sont prêtes à y faire face et la conductrice qui a été transportée à l'hôpital de son côté va bien à l'heure actuelle. ce Sophie la Vladivar RNT Nouvelles, à rouen et on poursuit dans nos forêts puisque jusqu'à présent, il y a deux fois moins d'incendies de forêt de cause humaine qu'à l'habitude. C'est ce que révèle la feu dans son dernier bilan du mois de juillet. Leurs équipes ont combattu environ 21 moins de feux au cours du mois de juillet, comparativement à la moyenne des dix dernières années. Et c'est la foudre qui est responsable de près de 60 des feux survenus au cours du dernier mois. Et l'activité humaine est pour sa part à l'origine de 23 incendies, comparativement à une moyenne de habituelle de 40. Cette campagne publicitaire, vaste campagne publicitaire, était financée par le gouvernement du Québec pour cette année. Par ailleurs, nous, on poursuit finalement euh, notre publicité au niveau de Facebook, au niveau de notre présence dans des salons, euh, au niveau de notre présence, entre autres, euh, euh, au niveau de, 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 des médias. Et par ailleurs, eh bien c'est toujours la météo hein, qui fait en sorte que, est ce qu'on connaît une saison très importante au niveau des feux de forêt. Mais il faut pas oublier que 80 des feux peuvent être évités parce que ce sont des feux de cause humaine. On se déplace du côté de Malartic maintenant, puisque des travaux de nettoyage sont effectués cette semaine à la rivière Malartic dans le cadre du projet de revitalisation du cours d'eau. Les travaux sont financés par Anico-Ego et visent à rétablir le milieu humide. Bien que la compagnie minière finance le projet, ce ne sont pas des déchets laissés par celle-ci. L'opération fait plutôt partie de sa stratégie de relation avec la communauté malarticoise. Ultimement, l'initiative doit permettre le développement de sentiers en bordure de rivière. Il y a des gens qui se promènent euh, à pied puis en canot euh, sur la rivière Malartic pour nettoyer les, les gros rebuts, pneus, bois, etc., métal, etc., qui traînent. Le projet s'appelle le projet de revitalisation de la rivière Malartic. Donc, euh, il y a le nettoyage des gros rebuts, mais il y a aussi un, un parc linéaire qu'on qu appelle. Là. Euh, donc, ça consiste en un sentier multi-usage qui va longer en grande partie la rivière Malartic. Parlons ruralité maintenant. C'est le 15 août prochain que le comité local et sa douzaine de jeunes d'ici s'en iront à Saint-Hyacinthe pour la classique des jeunes ruraux du Québec. La relève agricole est un regroupement de jeunes de 4 à 25 ans qui propose des activités et du réseautage pour les jeunes. Le comité s'adresse aux curieux de l'agriculture provenant de la ville comme des rangs et souhaite mettre de l'avant la solidarité du monde agricole de la région. Chose certaine, il y a de l'espoir pour la relève dans la région, selon la porte-parole Elisabeth Bon. Je pense que c'est un, 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 un vent très chaud, comme on dit, qui revient euh, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes en bas âge qui commencent à s'impliquer. Il y a des grandes difficultés au niveau du monde agricole, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. Fait c'est ce qu'on essaye, je pense, un peu plus de mettre de, de, de l'avant, comme avec ce comité-là, parce que des fois, ça peut faire peur pour certains de se dire, euh, j'ai aucune connaissance là-dedans, je suis rendue à, à 20 ans, j'ai j'ai été visiter, je sais pas, mon oncle qui a une ferme, puis on dirait que j'ai eu la piqûre. On en, on en a besoin, là, tu sais, de, de relève agricole, c'est quelque chose qui est de plus en plus criant, là, comme besoin au niveau de l'agriculture, je pense. Au culturel, le festival Cisco en lumière Westwood commence ce soir à rouyn Les artistes Black Life, Salimo, Mariem, Calamine et la tête d'affiche de la soirée à la Claire Ensemble vous attendent à la presqu'île du lac Cisco dès l'ouverture des portes à 18h. Une zone sera d'ailleurs dédiée aux chasses de camping pour tous les festivaliers. Et au sport maintenant, la troisième édition du Raid Témiscamingue est bientôt sur sa ligne de départ. Prévue du 5 au 8 septembre prochain, la compétition sportive que se déroule au Témiscamingue réunira des équipes des quatre coins du monde. Et Jean-Thomas Boily, le cofondateur du Raid Témiscamingue, est plus qu'excité du début prochain de l'événement. Je vous présente notre entretien. Pourquoi les gens devraient se déplacer pour participer et voir la troisième édition du Raid Témiscamingue? Si l'édition affiche complète déjà depuis le mois de janvier, il y a des raisons, c'est que le Témiscamingue, c'est le territoire idéal pour un raid d'aventure. Ce qu'on recherche euh, en, en ayant un raid international, les équipes qui viennent de l'extérieur aussi, ils veulent une aventure canadienne, typiquement québécoise. Euh, le Témiscamingue, c'est ça qu'il y a à offrir c'est la forêt, les lacs. On utilise le territoire. L'infrastructure, c'est la, la nature. Ensuite, comment on se déplace pour se rendre C'est là que ça devient intéressant. On va utiliser, euh, évidemment, c'est non motorisé, donc c'est le corps humain. Course à pied, trekking, euh, il y en aura beaucoup. Vélo de montagne, vé souvent même hors sentier. Le vélo, ça peut être roulant, ça peut être des fois, les athlètes vont l'avoir sur l'épaule. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres au donc le canot va faire partie intégrante du raid, euh, des, belles, des, belles, des belles sections de canot. Et on ajoute aussi un peu de piquant avec des, des jeux de cordes, ça veut dire des grosses tyroliennes, des ponts en corde donc, euh, de, ou des rappels spectaculaires. On a des équipes qui viennent de partout dans le monde. C'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant. On a l'équipe qui, qui est arrivée deuxième l'an passé de la Finlande. Ils reviennent. Ils sont restés sur leur fin, ils étaient vraiment proches. On a des Italiens, des Polonais, des Américains, on a des équipes de, du reste du Canada aussi qui vont venir, en plus de toutes les régions du Québec. Les nouveautés, en fait, les, 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 sports, les sports se ressemblent. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on va chercher. Puis, euh, évidemment, on va avoir, euh, je parlais de jeu de cordes. on va avoir. Euh, une tyrolienne spectaculaire qui va être accessible au public. On va en dire plus plus tard, là, parce qu'on ne veut pas dévoiler. Il faut se rappeler que les coureurs, ils vont connaître le parcours la veille du départ. Donc, on essaie de ne pas trop en dire d'avance, mais éventuellement, on va dire pour que le public sache. Euh, oui, mais il va y avoir des endroits vraiment, vraiment le fun et l'arrivée qui va être assez spectaculaire à Saint-Bruno, à saint bruno de guigues Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages sur tous les secteurs, avec un minimum de 10 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 13 degrés pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec des maximums oscillant entre 24 et 25 degrés Celsius. Et en aperçu pour la journée de vendredi, c'est de la pluie avec des maximums entre 24 et 25 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.